Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans votre magazine du modélisme. Au sommaire cette semaine, retrouvons une revue de presse, le nouveau numéro de chez Rai Miniature Flash, le numéro 665. On va parcourir le sommaire ensemble et voir ce que propose ce nouveau numéro. Puis ensuite, nous irons retrouver Steve, rappelez-vous, qui avait fait un premier sujet interview sur la chaîne. Il nous avait présenté son projet de réseau à l'échelle N en construction intégrale. On va prendre un petit peu de ces nouvelles. Allez, c'est parti, prenez plaisir. Allez, c'est parti pour notre revue de presse. Je vous présente ce mois-ci le nouveau numéro 665 de chez Rai Miniature Flash. On va parcourir ensemble le sommaire, voir un petit peu ce que nous vous présente ce nouveau numéro dans sa nouvelle formule. De belles choses en perspective dans ce nouveau numéro. Allez, on va voir ensemble, c'est le sommaire. Bien, vous y retrouverez comme à l'habitude un édito, un énoncé du numéro par Philippe Cousin avant de retrouver et de vous plonger dans le sommaire de votre magazine. Au sommaire de ce numéro 665, vraiment du lourd, avec un transposé de la gare de Carnoël-Locarno, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment vivement de regarder cette rubrique avec le projet de la construction des bâtiments et bien entendu les fiches de composition. Vous aurez aussi un atelier créé avec du bois dans tous ses états. Vous aurez aussi un atelier patiné pour une patine simple pour du matériel agricole. Vous verrez également sur nos routes, j'ai beaucoup aimé ceci la dernière fois. Voilà, bref, Saint-Mandé également, la dernière exposition. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans ce nouveau numéro. Je dois avouer que j'ai aimé la diversité de rubriques que l'on peut retrouver dans ce numéro. Elles sont vraiment bien organisées et vous verrez, vous prendrez plaisir à lire ce magazine. Vous y retrouverez également comment établir et effectuer une petite construction avec bien entendu la liste du matériel à utiliser. Les plus de ce magazine, c'est la diversité et les explications fournies concernant l'élaboration, les tests et la recherche et la diversité au sein des rubriques. Le petit moins est que c'est un magazine qui s'adresse quand même à des personnes qui sont plutôt déjà initiées bien dans le modélisme ferroviaire, dans la maquette en tout genre. Toutefois, si vous êtes débutant, pas de panique, au contraire, vous allez en apprendre énormément pour évoluer dans cette discipline. Une rubrique également, un comeback du 21 et 22 janvier dernier sur l'exposition de Saint-Mandé. Franchement, c'était plutôt exceptionnel. Bien entendu, ceci n'est qu'une revue de presse, un petit condensé, un aperçu de ce que vous pouvez retrouver dans ce numéro 665 de Rai Miniature Flash. Je vous conseille bien entendu de vous le procurer afin de prendre plaisir intégralement. Une rubrique vraiment exceptionnelle dans ce numéro 665, la construction intégrale de ces superbes wagons. Vous allez prendre plaisir à justement lire et dévorer toutes ces pages afin de vous faire plaisir vous-même sur la fabrication de ces wagons. En outre également, vous allez pouvoir parcourir et voir comment améliorer des voitures ADE pour les mettre tout simplement au goût du jour. Vous verrez avec des vues de nuit rapprochées d'une voiture éclairée et modifiée en image, vous verrez comment faire certaines de ces modifications. On retrouvera aussi un défi que s'est lancé un auteur de Rai Miniature Flash à l'échelle N. Comment construire une gare terminus sur moins d'un mètre carré et de l'exploiter de manière réaliste. Vous verrez Mialet le lac, tout simplement exceptionnel. On retrouve également la seconde partie de la rubrique concernant la signalisation. Nous avions vu précédemment la première partie concernant le sémaphore unifié. Voici donc un nouvel extrait pour se faire plaisir et en apprendre toujours un petit peu plus. Ne boudons pas notre plaisir, ce numéro de Rai Miniature Flash est vraiment complet. Nous retrouvons aussi des bonnes pages de tests et de nouveautés parues il y a donc peu de temps, de quoi se faire plaisir sur certains modèles avec des tests intégrales. «
Je remercie donc Raimi Nature Flash et toute son équipe de m'avoir envoyé cet exemplaire afin de vous présenter cette petite revue de presse, histoire de vous donner et de vous faire saluer avant d'aller vous le procurer en kiosque disponible donc dès à présent. C'est le numéro 665. Il est disponible dès à présent au tarif de 10,90€. Prenez plaisir. Il est à présent temps de prendre des nouvelles de Steve. Souvenez-vous, il avait fait une parution première pour nous expliquer son projet de réseau à l'échelle N dans une construction intégrale. Un modéliste vraiment super sympa en la personne de Steve. On vient donc prendre de ses nouvelles. Il va nous faire part des nouveautés dans son projet. Allez, prenez plaisir avec Steve. Bonjour la communauté LF Modélisme. Bah écoutez, voilà. C'est avec plaisir que je vous donne un petit peu des nouvelles sur mes deux modules. Je viens de sortir une vidéo donc sur ma chaîne YouTube. Par contre, ça me fait plaisir de participer avec plaisir à la chaîne de Loïc pour vous présenter la suite de mon mobile. Donc, écoutez, je vous parle depuis la Suisse, à Lausanne. Voilà, je suis beaucoup en contact avec nos voisins français. Beaucoup de plaisir. Et dans un instant, je vous présente la suite. Bien, petite information supplémentaire, si vous n'avez pas vu le reportage avec Steve la première fois où il expliquait son projet de construction sur son réseau HLN, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la page. Bien entendu, vous pouvez terminer cette vidéo et y revenir plus tard. Allez, on continue, prenez plaisir, c'est à toi Steve. Bien, voici la suite. Donc peut-être pour ceux qui n'avaient encore pas vu les modules de 135 par 90, soit dit en passant, c'est les premières fois que je me lance dans le modélisme, donc ça fait à peu près un an et demi que je suis sur mes deux modules. Donc c'est un réseau qui a deux étages avec une gare cachée qui est déjà un peu éclairée ici. Voici. Suite de quoi, ça passe dessus sur une voie de parade. J'ai construit pas mal de bâtiments. C'est du papercraft, du carton. Voilà. Je les ai posés provisoirement par ici. Et j'ai fait un petit village alsacien, voilà, éclairé avec LED. Donc bon, c'est pas mal illuminé dans le garage, donc on voit pas grand chose. Mais bon, quand même, c'est sympa. Bien. Et puis le fond de décor que j'ai posé ici tout le long. De belles avancées ont été réalisées par Steve depuis la dernière fois, depuis le premier passage sur la chaîne. Ça vaut vraiment le coup d'œil que de regarder la continuation de son projet. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens pour suivre l'avancée des travaux sur la chaîne YouTube de Steve. Les bâtiments, donc ils sont pas définitifs, ils sont construits, ils sont là, déposés. On verra où est-ce que je les répartis. Le château, ça va être surélevé, bien sûr, il est posé là, mais ça va remonter un petit bout. Le fond de décor, qui est en partie posé. Voilà, je dois finir la suite, fermer au fond ici. Et mon petit village alsacien. Bien. Malheureusement, il ne sera pas possible de voir de circulation. Steve est en plein câblage actuellement, dans une prochaine vidéo, certainement. Bien, je vous ai fait faire un petit tour de mes modules. C'est pas très long. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous. Je reste volontiers à votre disposition pour des questions, des remarques. Suite de quoi, je remercie Loïc et la communauté LF Modélisme de tous ces partages que nous avons ensemble. Je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos pour la suite de la construction du module. Ça fait un an et demi que je suis dessus. J'ai jamais terminé. Allez, je vous dis au revoir à tous. Bye bye. Voilà amis modélistes, ce nouveau numéro, ce nouveau magazine du modéliste est à présent terminé. Je remercie encore Rai Miniature Flash de leur participation et l'envoi de leur numéro afin de vous le présenter pour cette revue de presse. Un grand merci à Steve pour sa participation et de nous avoir fait un petit coucou sur la chaîne et nous avoir montré un petit peu les nouveautés sur son réseau à l'échelle N que l'on retrouvera avec plaisir prochainement pour d'autres partages. C'était votre magazine du modélisme. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, ciao ciao.